Johnny Hallyday est un nouveau documentaire sur le chanteur prévu à la rentrée. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur Johnny Hallyday / Beaucoup de choses selon le journaliste de France 3, Didier Varrod. Ce dernier va réaliser un nouveau documentaire sur le chanteur. Depuis, l'incroyable vie du taulier n'a plus de secret pour personne. Le documentaire de Didier Varrod sera pourtant intéressant à plus d'un titre. Selon, le journaliste va évoquer la vie sans Johnny Hallyday. Un vaste sujet puisque le chanteur laisse derrière lui, qu'il aurait voulu léguer dans son intégralité à sa dernière compagne, Laetitia, et leurs deux filles, Jade et Joy. C'était sans compter sur les deux aînés du rocker, pour récupérer quelque chose de leur père. Si la question a déjà été abordée dans Par C8 et BFM TV, Didier Varrod va aussi évoquer l'empreinte qu'a laissée le chanteur sur la scène musicale française et plusieurs de ses artistes comme Dominique Aoumioscq. Auteur de plusieurs films Confession, France Gall ou encore Julien Clerc. Didier Varrod recueillera également un nouveau témoignage, celui d'Eddie Mitchell. Le chanteur des Vieilles Canailles livrera sans nul doute des propos poignants concernant l'idole des jeunes. Le documentaire de Didier Varrod est prévu pour une diffusion à l'automne en prime time sur la chaîne France 3.